5, 4, 3, 2, 1, 0. Bienvenue sur Let's Go Zik. Il était une fois, dans l'émission LGZ Andrew. Donc ce soir, nous avons des auditeurs et des auditrices. Bonsoir. Ou des futurs auditeurs, on espère. Vous entendez, rapproche un peu le micro. Hein, c'est... Okay. Les filles, elles savent mieux faire ça que nous. Mais... Ouais, bah, normal, la base. Comment ça va les gars? Bah nickel. Nickel, une petite partie là, ouais, top. Ouais, petite partie tranquille là. Alors vous avez gagné? Vous avez ouais, gagné. On les a bien victimes là, ces petites planquettes là. Mais pas très fort. Ah, parce que vous avez fait équipe des garçons contre des filles? Non, 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 ouais. C'était un peu mélangé, mais bon. Il y a la jolie fille, je suis jamais au micro. Alors c'est quoi vos prénoms là? Parce que sinon on va pas y arriver. Moi c'est Arthur. Arthur. Moi c'est Thibaut. Thibaut. Ah oui, il y a beaucoup de Thibaut ce soir. Ouais. Et les demoiselles, si elles veulent intervenir. Justine. Justine. Et Amandine. Amandine. Alors Thibaut. Je sais plus. Je sais ça plus. Fait et je sais plus. Eh ben ça fait plaisir. Bravo. Bon bah juste, je parlerai juste à toi Thibaut. Parce oh bah non. Je suis plus intéressant. Je sais juste son prénom alors. Alors combien vous avez de la feuille les gars là? Moi je vais voir les scores là. Alors attends, oh là là, moi j'ai pas confiance. Alors 754. Ah c'est Delphine, c'est pas Delphine toi. Ah non, c'est j'ai pas la ma feuille. Attends, je vais la retrouver. Ouais. Alors Delphine, sur la table, il faut Delphine. Expliquer aux auditeurs qui nous voient pas, il y a des tonnes de feuilles. Alors, ouais, attends, il y a trop de feuilles là, je suis perdu. Attends. Elles sont deux. Voilà. Moi je vais voir moi. Vas-y, ah, on va voir celle d'Arthur. Oula. Oula. Aïe aïe aïe. Oula là, 502. 502, t'es un chasseur d'aliens. Ouais, ouais, je suis comme ça. Moi. Chasseur d'aliens, ah, ça s'appelle. Et pourquoi Red Zero, c'est quoi ça? Mais c'est l'équipe, il était Red. c'est Red. Il était rouge, quoi. Mais je sais pas, ils ont dû bon, faire moi, un mode... Bon, moi, je t'appelle Zob. Hein. Oh putain, non, c'est marqué, non. Oh putain, non, ça la fout mal, là. Bon, bah, Zob, bon, je vais retenir. Bon, les feuilles, vos filles, elles sont où, les feuilles, là? Oula. Oula, oula. Vous avez honte? Elles ont peur. Elle tremble comme une feuille là, la peau. Elle l'a jetée à la poubelle. Si ça se trouve, j'ai tellement elle était trop deg. Elles ont fait bien meilleur que eux. Ah bah ouais. Non, pas trop. Ah si, Amandine a été assez forte. Merci. Amandine nous a battu. Alors, Rustine. Zob, Rustine. 325. Ouh. Ouais, c'est pas si mal hein. Attends, 502, 325. Ah, attends, avant on a eu un moins 25 hein, quand même dans notre équipe. Hein. On a mais quand il était bourré le mec, c'est pas possible. Bah ouais, sans doute. Ouais. Ah, mais il a 15 ans. Hein. Mais, non, il en a 11 bon, et demi et il savait pas où j'en il fallait deux, tirer. Là, vous êtes 4, bah, moi je l'ai balancé, j'étais tellement pas fort. J'ai dit, je veux que je recommence. Ouais, j'étais à moins 40, c'est ça. Non, j'étais. Ils sont sortis de jeu avant la fin. J'étais un truc alien bizarre, chasseur d'aliens, un truc comme ça. Non, toi t'étais zombie terroriste. Ouais, zombie terroriste. Zombie terroriste. T'étais apprenti, toi, c'est ça. T'assumes même pas là. Sinon les gars, souvent Laser Quest ou bah là en non, fait pas souvent, on fait ça parce que parce qu'on est équipe de France en équitation. Ouais, et là on vient pour un peu souder le groupe quoi. Ça va permettre de faire des activités pour et souder. Vous faites, vous, ouais. Là on est en stage préparation à Strasbourg et on va au championnat d'Europe en Pologne. Ah ouais, vous êtes des Strasbourgeois? Non, du tout. Ah, non, on est juste partout dans la France. D'accord. Bah le Doubs c'est pas trop loin. Il y a un micro là. Oui, faut pas me regarder. Parle dans le micro, Justine. Parle déjà, dans le c'est micro. Bien, elle te regarde. Hein. C'est déjà bien. Hein. Bon, c'est vrai que moi ça me trouble en plus. Alors, voilà. Lui vient de Savoie. Haute-Savoie. Ouais, Haute-Savoie. Pareil. Ouais. Moi je viens de la région parisienne. Ouais. Amandine, elle vient de la région parisienne aussi. Non. Amandine, elle est dans le coach. C'est quoi? Ah, c'est coach. La coach. Coaching. Ah, et qu'est-ce que vous pensez de la pub? Le cheval, c'est génial. C'est de la merde. Ouais, c'est pas trop. Ça mais les gens qui connaissent rien, ça leur plaît. Mais ceux qui connaissent, mon fils de 4 ans et demi, il adore, sauf qu'il dit le cheval, c'est trop bien. Il a pas compris la rime en fait. Ouais, c'est pas grave. J'ai une collègue de boulot qui a arrêté justement pour se consacrer entièrement à ça. Ouais, quoi. Non, mais ça tue l'image un peu. Mais bon, en même temps, c'est pour rendre accessible aux gens. Donc, ouais, c'est on va sympa. Pas s'en plaindre non plus, quoi. Ça médiatise un c'est peu. C'est pas plus important. Mais vous avez pas de la tête à faire de l'équitation, les gars. Mais on n'a pas une tête à faire quoi que ce soit. Mais ils ont quand même un peu le gabarit. Un peu. Ah bon? Bah oui. On dirait un Somalien. Parce que je rappelle que bon, pour ceux vous qui marchez comme des cowboys. Pour... Non, non. On se gratte un peu. Le poids, c'est important. Non, pour, ouais. Bah, ouais, pour chaque pays, plus de se déplacer. Plus, quand même. Plus t'es lourd et plus t'es grand et plus c'est difficile parce que ton équilibre, il est pas le même, quoi. Ah moi, je peux pas. Alors. Ah bah toi, ça va être difficile. Ah faut trouver un cheval qui te porte, quoi. Faut trouver le gabarit. Moi, c'est moi qui dois le porter. C'est ça. Ça marche à sa place, quoi. C'est un peu comme le karting. Toi, tu peux pas non plus. T'es trop grand. Ah si, j'arrive karting. Ouais, mais juste des avantages. J'arrive juste pas à tourner complètement. Faut que ça soit tout le temps droit. Ça doit être tendu quand même. Ouais. Là. Et sinon, qu'est-ce que vous aimez comme style de musique? Dubstep à fond. Dubstep.
n'a pas encore. Belle, L'agrotech aussi. L'agrotech, c'est Gozo. Tu connais pas? C'est l'agro des chevaux qui mangent ça, c'est ça? Non, non, trop marrant, les gars. Ah, ils ont du ouais, ça blague, ils on ont a ça, putain. Putain. Faut se frotter Agrotech. À du moralisation, Coco. Hein. C'est rude. Agrotech, c'est quoi ça? Bah, c'est de l'électro vachement underground et dark en même temps. D'accord, je connaissais pas. Bah, je moi non plus. Ouais. Genre God Module. Et moi non plus, je connaissais pas. Ouais, mais non, mais je connais pas. Ah, bah, va falloir que tu te renseignes. Ouais, non, mais. Faut s'y mettre un peu là. Non, mais tu sais, ici c'est Strasbourg, il faut encore attendre une petite dizaine d'années avant que ça vienne. Ah, c'est une jolie ville, Strasbourg. Vous êtes encore au Minitel ou quand ça se passe? C'est pas mal. Ça a été inventé à Strasbourg, le Minitel. Quoi? Faut pas s'en vanter ce genre de choses. Hein. On s'en vante pas de genre de choses. C'est chose. En Alsace que ça a été inventé le Minitel. Non. Ah bon ouais. Mais bon, ouais. On s'en fout, c'est pas la question. On s'écarte, on s'écarte. Voilà. Ouais, et lui, alors, excuse-moi, Thibaut. Voilà. Ouais. C'est Johnny Bigood. Johnny Bigood, là. Lui, c'est Zob. Ah, c'est mieux déjà que. Hein, je ne dirais pas le. Zob pseudo, ou Rustine. Voilà. Bon, Rustine, c'est pas trop mal quand même. Ouais, encore, ça va. Ouais. Mais au moins, voilà, on retient. J'ai été flingué par Zob, ça fait bien quand même. Il y a Zob qui me court après, en général tu cours vite. Quand Zob il est derrière toi, tu cours vite. Bah ouais, c'est gaffe, ouais. Et tu sers les fesses. Mais et c'était un pseudo, vous avez l'habitude d'utiliser ce pseudo? Ouais, bah en fait on se les a trouvés pendant le stage. D'accord, ouais, mais on déconne un peu. Ça fait combien de temps que vous connaissez là en stage? Ça fait ouais, ça va faire. Bon, en fait, on a fait le circuit ensemble cette année et on a été sélectionné pour les championnats d'Europe. Du coup, ça fait début de semaine qu'on est au stage là. On est vraiment ensemble. Ouais, sinon on se voyait sur les concours ensemble. Ouais, c'est ouf. Mais il est pas sexy, vous avez vu, c'est un Somalien, dégueulasse. Donc pour les prochains JO, on vous voit à la télé. Ça va être tendu quand même. Tranquille, on a 17 ans. On y va mollo. Non, t'as 17 ans, j'ai 16 ans, je suis plus doué que toi, rappelle-toi. Plus doué, oh là là là, parce que c'est à quel âge ils ont quel âge à peu près ceux qui en sont fait, au JO? Bah, généralement, c'est. En fait, majeur, la tranche d'âge, c'est de 14 ans à 18 ans. Non, pour les juniors, majeurs, les majeurs. Pour notre épreuve, ouais. Et les majeurs, bah, généralement, ils ont 22, 23 ans, et plus jeunes, ils ont 23 ans. D'accord. Ouais, ouais. D'accord. Et c'est pas trop dur d'être loin de la famille, tout ça? Bah non, en fait, non, elle est venue avec nous. Elle est venue avec nous, la famille. Hein. Ouais, ouais, ah ouais, c'est des placements familiales, il y a tout le monde. Hein. Ah ouais, deux groupes, on y va. C'est vous les robes là qu'ils ont délocalisé là, c'est ça? Tout de suite, on rentre à la maison en fait. On a les roulottes là, et puis on t'inquiète. Bah ouais. T'inquiète, ouais. Avec les chevaux derrière et tout. Ouais, nickel. Non, devant, faut qu'ils tirent quand même. Bah ouais, on va pas la tirer, la charrette, t'es mignon toi. Et là alors c'est quand la Pologne alors? La semaine prochaine. Mercredi ça combien commence. Combien de temps vous restez là? Une bah là semaine. On reste jusqu'à demain. Demain soir, après lundi on va en Allemagne, on fait étape à Leipzig. Et ensuite on part pour la Pologne. Ah, mardi pour la Pologne et on arrive mercredi. Mardi soir? Ouais. Mardi soir ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et mercredi ah, bah, c'est ça cool, commence. Ouais, ça va être nickel. Et vous avez mais pas. L'école vous faites comment? Ouais, bah on les appelle et puis ils sont toute l'année alors. Ah bah c'est la roulotte, il y a une roulotte spéciale école, il y a quatre roulottes. Voilà, c'est ça. On a une prof et voilà. On fait la. Si elle est pas contente, on lui fout trois bâtons. Non, on va pas trop à l'école quoi. La prof je redouble cette année. C'est par correspondance. Faites par correspondance, c'est ça? Non, même pas. Non, même pas. Pas d'école alors. Justine vraiment l'école. Justine fait par correspondance, elle fait le CNED. Mais nous bah nous on fait l'ancienne. On a vraiment nous. Ah ouais. Ouais, il y en a qui bossent quand même. On n'est pas tous des feignasses. Ouais, écoutez les gars, c'est cool quoi, ouais. C'est bien et j'espère qu'on vous verra au prochain JO, enfin prochain. Ouais. C'est dans 4 ans donc c'est bon normalement 18 ouais. ans. Mais ouais. Surtout c'est les sparks qui fait une dédicace à la web radio là, on leur fait un peu de tout quand même. Ah, c'est gentil. Ouais, ouais, dans 4 ans, bon c'est encore long. Eh mais c'est qui va nous entendre alors les gars là? Ouais. Bah, vous-même quand vous rentrez, vous pouvez réécouter, il y a un replay, vous allez sur le site www.letsgozik.org, rubrique replay et puis vous pourrez écouter l'émission. Eh, on va balancer ça sur le site de la FFE. Toi. Et vous pouvez voilà, sponsor. Vous pouvez bien entendu diffuser le lien via Facebook etc. On va réchauffer le Facebook. Mais là si vous avez là, il y a des gens qui vous écoutent actuellement en live. Et ben on les remercie, on leur dit tous bonjour et. On vous aime, on vous aime. Voilà, on vous connaît pas, mais on vous aime quand même. Ah, ils sont faits pour faire de la radio. Hein. Ouais. Bon, les gars, vous êtes super sympas. Ouais, merci, vous aussi, c'était sympa. Alors, cool, ouais. On avoue que vous étiez timide, on les a pas trop venus au début. Voilà, on a quand même perdu la récompense quand même. Une compile chacun. Exactement. Choisissez ce que vous voulez. Une compile chacun, pas deux. Il n'y a pas de triche. Parce que c'est pas une compile. Voilà. C'est quoi? Bon après les styles. On va écouter un petit peu de Joy le temps qu'ils choisissent. Non mais le temps qu'ils choisissent et après on. Vas-y on s'en fout. Et après de ça on va jouer les gars, après on a encore une partie, faut qu'on se venge. Ah bah ouais hein. Alors le prochain set ça sera moi justement donc. Et c'est quoi ce truc là? C'est bien? Ouh putain ça c'est pas mal ça non? Ouais ouais, la meuf elle est pas mal. Ouais la meuf c'est un dessin les gars. Toi tu fais ça. Ah celle-là elle est pas mal aussi hein.
Putain, c'est une compile. Trop d'hésitation quoi. Faut prendre le truc où il y a le plus de titres, comme ça tu seras moins déçu. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais on a déjà les prochains invités visiblement, ils sont prêts, ils sont chauds. Non, ils sont notre équipe, c'est l'équipe de France. Nous, c'est notre équipe. Mais c'est pas parce que c'est votre équipe qu'ils ont pas le droit de parler au micro. Ils pensent comme nous, ils font comme nous. Il a le maillot du PSG là. Et surtout, il est policier, faut faire gaffe. Ah bon, attendez les gars, oh. Ok, t'es garde, c'est pareil. Il sera policier en cheval, c'est ça? C'est ça. Robin, police, y a Robin, police montée. Voilà. Y a Robin qui la joue, passe Robin. Vas-y Robin, bonjour. Bonjour. Bonjour Robin. C'est bien Robin. Mais ce que je leur propose, c'est que... Robin, c'est capitaine d'équipe, les gars. C'est le... Ouais, c'est Captain Mowgli. Captain Mowgli. Faut qu'il motive les gars, quoi, c'est ça? Bah, c'est chef des troupes. Alors lui, c'était celui qui était censé être super fort au Laser Quest qui a fini avant-dernier. Voilà, je tenais à le dire quand même. Qu'on clarifie les choses tout de suite. Ouais, il a... Tant qu'il est fort la semaine prochaine, c'est bon. Il avait un équipement défectueux. Ouais voilà. C'était un tour de chauffe. Ouais. On va se rattraper. Tout à l'heure tu vas pleurer, je vais t'offrir la boîte de Kleenex, t'inquiète. En tout cas, je sais pas si vous avez entendu le changement de style musical, mais ça devrait vous motiver pour le laser quoi ça. Ah c'est pas mal. Ah, Arthur à mon avis t'as de courir vite. Ouais tu vas encore pleurer la petite savoyarde, là je vais te faire une petite fondue, tu vas voir. Haute savoyarde. Et bien. On va encore un peu augmenter en vitesse d'ici que vous soyez dans le laser, donc va falloir y aller là. Okay. Allez. Bon allez, je vais prendre celui-là, il est joli. Allez hop. Merci cadeau. Merci. C'est quoi que t'as pris, Zob? The Triple Side of House. Wow. Moi, Luxury Floating. Je parle pas très bien anglais. C'est pas le même accent, hein. Luxury House for all. Ok, c'est... bah les gars, profitez-en bien. Merci, hein. Bah merci, hein. Bonne soirée. Allez, salut. Allez, bonne soirée, ciao.